On va commencer tranquille. Regardez, on va rester au sol pour commencer. Là, hop. Super. On va se placer comme ça. Sur les genoux, sur les mains ici. Ouais, voilà. Tout simplement un petit peu de dos creux et dos rond. Donc, je viens creuser et arrondir au maximum mon dos. Regardez mon bassin, rentrez les fessiers et la tête. Voilà. Inspire et hop, je souffle. En essayant de commencer toujours le mouvement par le bassin. Là, je vais chercher à arrondir dans mon bassin qui va d'abord chercher à se rentrer et après j'arrondis le haut du dos, je rentre la tête. Là, c'est pareil, bassin qui commence à remonter, le dos et je regarde vers le haut. Allez, on se fait une dernière fois. Alors, une dernière fois, creux et rond, parce qu'elle a commencé par du creux. Donc, creux. Arrondi. Ok, super. On vient s'asseoir sur les talons, un peu de position de l'enfant, les bras tendus loin devant. Voilà, les mains sont à la largeur des épaules. J'essaie de sentir un peu l'étirement sur les épaules, sur le dos. Ok, on décolle les fessiers. Là, on va mettre les fessiers au-dessus des genoux et j'avance les mains. Donc, je ne me retrouve plus dans cette position. Là, j'ai les fessiers décollés. La différence, elle est là. On sent bien plus les épaules, un peu plus différentes. C'est bien, et puis c'est comme ça. Morgane, si tu peux poser la tête au sol, c'est parfait. Sinon, c'est bien comme ça. Ouais, c'est nickel. J'enlève les lunettes. Ok, voilà, super. On revient ici en position quatre pattes. J'amène le genou droit ici pour la position du pigeon. Si vous connaissez, j'amène le genou droit donc à l'intérieur entre mes deux mains. Je tends la jambe arrière. Hop. Voilà, et on se retrouve dans cette position-là. Hop. Je peux poser les coudes. Super. Ok. Vous avez bougé un peu aujourd'hui ou vous êtes resté chez vous? Bon, on est resté chez nous, hein. C'est vrai? Ah bah. Pas le choix. Et toi, Fiona, tu vas bosser de la maison? Ouais, je suis que en télétravail, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Bon, bah, nous aussi, télétravail. Nous, télétravail. Super. Allez, on vient s'asseoir pour un petit peu étirer l'arrière des cuisses. Hop. Et d'aller chercher les chevilles devant. Pardon, on va sûrement refaire un peu de live. Super. Sûrement des. Ah, ce sera un ou deux par semaine. Un peu plus court que ce qu'on avait fait pour le confinement numéro 1. C'est un peu plus express que ce qu'on fait ici, quoi. C'est un peu plus concis, mais c'est ça, c'est quand même assez, assez intense aussi, hein. Ok. Super. Allez, on va se lever. Et là, je vais vous proposer une partie un peu plus dynamique pour s'échauffer. On va avoir deux exercices. Le premier exercice, c'est des mountain climbers, et ça, normalement, vous les connaissez. Tu veux me faire une démo, Fiona? Des mountain climbers. Vous le faites mieux que moi. Non, mais tu les fais super bien. Bon, je sais pas. Alors, si tu veux pas, Morgane, tu veux? Allez. Climbers. Oui, facile. C'est Avec pas un les genoux, piège, là, hein. c'est quand tu fais comme ça et tu le montes comme On est ça, en non? position de pompe, exactement. Vas-y, fais-moi. On vous fait réviser ce soir. Hop. Ouais, alors idéalement de profil, ça aurait été bien, mais tu as raison.
On est là. C'est celui-là. Voilà. Exact. C'est ça. Parfait. Parfait. Ça sera le premier exercice. Le deuxième, vous ne le connaissez pas. Je vous le montre. Regardez. C'est celui-ci. Hop. On va se mettre. Donc, on va utiliser quoi? Allez, 2 mètres, 2-3 mètres maxi si on les a. On se met en position un peu fléchie sur les jambes. Et l'idée, ça va être de faire des petits pas chassés. Ah. Hop. Oui. Et je repars. Voilà. Et on fait des petits allers-retours comme ça et on fait un tabata. C'est à 20 secondes de travail. 10 secondes tranquille. Ça passe vite. Ouais. 20 secondes de travail. Là, on passe sur le deuxième. OK. 10 secondes de pause. On va faire ça deux fois. C'est-à-dire pendant deux minutes, on va tourner en boucle. 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Je vais vous expliquer tout ça. On commence sur les climbers. Vous êtes prêtes? Si vous voulez mettre un peu la gomme sur les climbers, vous pouvez. Vous allez faire des climbers rapides. Hein. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà. Gardez le corps bien droit, les épaules au-dessus des poignets. 5, 4, 3, 2, 1. Et on récupère. Super. On se met face à face. Ouais. On se met ici là. Ouais. Là, comme ça. Voilà. Prenez 3, 2, 1. Tac, 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 tac. 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. C'est marrant celui-là. Encore, encore, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. Ok. 10 secondes tranquille. Ça a été celui-là? Ouais, ça va. C'est bien, c'est nouveau, c'est sympa. C'est nouveau. C'est rigolo, c'est la marche du crabe. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu peux baisser un peu l'écran, Mila. On est reparti, hein. Allez, go. C'est parti pour le climber. On reprend sur les climbers. L'idée, c'est quand même de mettre de la vitesse sur ce deuxième exercice. Les petits pas chassés et d'être un peu fléchi sur les jambes pour chauffer les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Le deuxième. Et après, le crabe. On aura chauffé. Le crabe, on peut l'appeler comme ça. Prêt? 3, 2, 1, c'est reparti. Allez. Allez, allez. Allez, les filles, après. Encore, encore, encore. On tient, on tient. Super. Allez, tu vas aller. Allez, on regarde. 3, 2, 1, top. Ça fait un peu le fessier ici. Ouais, ah oui, carrément. Pour les séances, ici, c'est le pire parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de travailler. Les gens, voilà. Et même. Dès qu'on le fait un peu, ça se sent. Ah, carrément, je confirme. Et puis, on a chauffé un peu. On a monté en température. Là, je sens qu'au niveau du cœur, même moi, ça commence à monter. Ouais. Allez. Bon, bah, la partie 1, elle est vraiment cuisse et fessier sur un exercice qui est nouveau, que vous n'avez jamais fait depuis toujours qu'on fait des séances ensemble. Voilà, c'est un nouvel exercice que j'ai appelé Side Frog. Side Frog, donc une grenouille sur le côté. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est le premier exercice. Alors, il y a deux autres. Excuse-moi, je fais juste une pause, j'ouvrirai mon chien 2 secondes. Oui, vas-y, vas-y. Pas de problème. Excusez-moi, oui, c'est bon. On a les deux pieds joints, ici, comme ça, avec des genoux à 90 degrés. On va être sur le côté, comme ça. À partir de là, on va chercher à ouvrir un genou qui est vers le haut. Et là, l'idée, ça va être de monter ici au bassin et de le redescendre. OK ? Ça, c'est l'option numéro 1. Il y aura 12 répétitions à faire à droite. Après, on changera de côté et on fera ça de l'autre côté. Si vous voulez tenter plus dur, vous pouvez le faire avec cette jambe-là qui est tendue. Donc, hop, hop. OK ? Travail. Donc là, sur le côté des fessiers, à droite et à gauche. Dans un second temps, on aura 20 secondes de fente ici avec des petits pulses. 20 secondes comme ça. OK. 20 secondes comme ça. Avec vraiment des petits mouvements, des pulses. Et après, ce que j'appelle les squats avec des petits bondissements, squat hoops, ça s'appelle. Et ça, on fera aussi pendant 20 secondes. Donc, hop, hop,
et tout petit. Si ce n'est pas possible de faire de saut du tout, on avance un petit peu bien sûr en faisant ça et on recule des tout petits sauts à la fois. Si ce n'est pas possible de faire ça, faites juste des pulses aussi comme ça. Voilà. Okay. Sur place du coup. Et voilà, pour le coup, on ne bouge pas, on ne déplace pas. On commence avec le premier exercice. Il y aura, pour faire ça évidemment, il y en aura trois rounds, trois tours de tout ça. Trois rounds. Ok, allez, je vais te mettre en place pour le premier exercice. Allez. Ouais, je fais le premier, puis après je vais corriger. Il y a comme il faut. Donc, je baisse un petit peu l'écran histoire que vous voyez bien le premier. Ouais. Ici, tout va bien. Voilà. Vous verrez bien si vous avez mal au genou ou pas. On mettra un petit coussin et on y va. 3, 2, 1. Il y a 12 répétitions à faire. C'est parti. Hop. Je resserre. Et là, je grandis. En fait, je mets une pression vraiment au niveau de l'extérieur de mon genou qui est au sol. 5. On essaye de ne pas s'effondrer quand on revient au sol. Je pense que c'est un peu. Ouais, il faut freiner sa descente. 7. On ne se pose pas complètement, quoi. 8. On frôle le sol et on repart tout de suite. 9. On en a fait 12. Vous attendez, on va changer de côté. 10. Tu l'as trouvé où celui-là? Normalement, ça fait longtemps, mais je ne l'avais jamais fait vraiment celui-là. Mm-hmm. 12. On sent très bien les. Est-ce qu'on a senti les fessiers? Ah, c'est horrible, franchement. C'est vraiment là, là. Ici. Ah, là. Ah, exactement. Parfait. Ah, ça te plaît. On y va? Allez, c'est parti pour les 12. Go. Ouais, au premier tour, on reste tranquille sur une option de départ. Et si après, vous voudrez tenter. Ouais, super, Fiona, très très bien. Morgane aussi, nickel. Bien. 7, allez, 8, 9, 8, allez, courage, s'accroche, 11 et 12. Ok, pour ceux qui nous regardent en replay, c'est pour les fessiers ça. Hein, allez, la suite, on y va, défendre. Je reprends ça. 20 secondes de fente, pied droit devant, 3, 2, 1, c'est des pulses, on y va. Allez, les petits ici, on reste ici. Un corps super droit. Et mon genou, là, quand je suis en bas, il effleure le sol. Et il oscille ici sur une dizaine de centimètres. Ouais, nickel, Fiona, nickel, Morgane. Allez, c'est au niveau du talon hein, qu'on a, on met vraiment la pression, le talon du pied qui est devant. Et on va changer de côté. 3, 2, 1, tout de suite, on enchaîne. Allez. Parce que là, c'est quand même. Ouais. Allez, vite, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et top, on relâche. Ok. Là, les quadrilles, là. Ah, ça crame bien, là. Parfait. Allez, vous êtes prêts pour les petits bondissements vers avant. À chaque saut, vous faites 15 cm grand maxi. Hein. 3, 2, 1, 20 secondes, c'est parti. Hop. Hop. Nous, on a la place ici. Est-ce que les 20 secondes seront passées quand on aura fait le demi-tour? Allez, où en arrière, c'est pire, j'ai l'impression. Oui. Il y a l'équilibre. 3, 2, 1. Ok. Wow. Allez, on décontracte comme ça un peu. Ça brûle les cuisses. Ah ouais. Heureusement qu'il n'y a que 3 tours. Oui. Bon. C'est les 3 pires exercices du monde réunis là. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, franchement, ceux-là ils sont super. Non. Attends de voir les abdos. Je sais pas s'ils sont pires les abdos. Attends, c'est les abdos, Morgane. Et là encore, on n'a pas de matériel. Hein. Pas de matériel, non, on a pas de super truc. Et j'ai sorti toutes les haltères pourtant. Hein. Allez, je vous regarde un petit peu. Vous êtes prêts à repartir sur le premier là, le side frog? Comme disait une option, plie plus un peu les jambes. On y va. C'est parti. Vous avez 12 répétitions toujours. Vraiment chercher à mettre de la pression ici au niveau du genou qui est au sol. Poussez le sol. Alors, Fiona, tu dois garder ton genou de la jambe qui est au sol. Tu dois vraiment le garder en contact avec le sol. C'est lui qui pousse dans le sol en fait.
Tu vois? Ok. On fait un petit temps, là, ici. Regarde. Hop. Et là, ce genou-là, il reste vraiment en contact. C'est comme si tu voulais pousser le sol avec l'extérieur de ton genou. Hop là. Tu ouvres, tu écartes les genoux, tu pousses ton bassin devant et tu as une pression sur l'extérieur de ton genou de sol. C'est là que tu vas sentir la contraction. Ok. Allez-y, faites à votre rythme, faites vos 12 reps. Tu regardes. Oui. Oui, très bien. Très bien. Ok. Génial. Le suivant, les fentes. Ah, il vous regarde toujours. Je fais toute une série avec vous pour bien vous regarder. Tu fais le temps? Bien sûr, je fais le temps. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Très bien. Alors là, moi, si je devais vous donner la posture idéale à avoir ou la petite consigne, ça serait de vraiment osciller sur les derniers centimètres, le plus près possible du sol. Mais après, c'est en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de la résistance que vous avez. Top, on change de côté. Attendez. 3, 2, 1, on est parti sur l'autre côté. Allez. Génial. Engagez vos abdos aussi sur cet exercice. Faites attention de ne pas creuser le bas du dos. 10 secondes. Allez. 3, 2, 1. Top! Yes! Et là, c'est cadeau, c'est les squat hops. Petit bondissement vers l'avant. Allez, je vais le faire avec vous celui-là. 3, 2, 1. On y va, c'est parti. Allez, on reste toujours en bas. Vraiment, on n'en peut plus, mais en 20 secondes, normalement, on doit pouvoir enchaîner. On peut faire une pause à la moitié, c'est-à-dire maintenant. Allez, 3, 2, 1, et ok. Bon, il nous reste un dernier tour. Génial. Bon, personne ne se tente le premier exercice avec la jambe tendue, là, il est trop dur. Non. Ouais, non, c'est le niveau supérieur, on est d'accord. Allez, prêt? Ouais. Hop. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 10, 11, 12, ok. Ça, c'est cadeau, vous pouvez essayer celui-là. Il va. C'est parti. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Et ok. Ok. Fente. Allez, pour finir de travailler bien sur les cuisses, les pentes, c'est génial. Moi, j'adore les pentes pour les cuisses et pour les fessiers aussi. Un must. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on y va. Petit mouvement, tout petit, tout petit. Allez, on a passé 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. On y va de l'autre côté, c'est parti tout de suite. Super. Yes. Alors, en général, ils le font bien, c'est juste que ça commence à devenir difficile au niveau. Mais moi, je sens les gouttes déjà de transpiration. Ah, mais ça, c'est sûr, depuis 10 minutes, moi. 3, 2, 1, top. Dernier exercice. Ouh là. Allez, avec ça, on va booster notre immunité. Exact. On en a besoin. 3, 2, 1, go, c'est parti.
arrière. Regardez bien les fessiers en arrière, c'est celui-là. Pousse les fessiers derrière tout en sortant la poitrine en avant. Et la complexité du squat. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et OK. Ouh, on a fait la partie. Ouh, super. Bon, je vous avais dit les cuisses. On a eu des cuisses. Okay. Cuisses au topo là. C'est toujours un plaisir. Je ne sais pas ce que vous préférez d'ailleurs, si vous préférez les douleurs musculaires au niveau des cuisses ou du haut du corps, des bras. De... Là, je préfère le haut du corps hein, quand même. Tu préfères le haut du corps? Ah ouais. Ça fait moins peur après en fait. Parce que les courbatures aux jambes, après dès que tu te déplaces et tout. C'est vrai, oui. Dès que tu t'assois souvent. Ouais. Et là, on est à la moitié du programme. Est-ce que vous voyez un petit peu de différence ou Ouais. Énormément. Ouais. C'est vrai? Ouais. Je te ferai une photo si tu veux. Okay. Okay. Faites des photos si vous avez envie. Après, on n'a pas joint de programme nutrition ou choses comme ça. Ça, on vous laisse faire ce que vous faites. Mais au niveau sportif, ce qui est certain, c'est que vous devez avoir un changement au niveau de la forme, oui. D'énergie. Après, au niveau aussi esthétique, vous devez en avoir un si vous arrivez à tenir une alimentation qui est correcte, normalement. Les pantalons, merci. La partie 2, c'est des abdos. On va faire ça maintenant. Tu veux faire les démos? On fait un truc qu'on a rarement fait en termes d'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on va faire 5 séries qui vont faire 1 minute. Et en fait, cette minute-là, elle est fractionnée en 3. On va faire 20 secondes d'un exercice. Tout de suite, on enchaîne. C'est fluide. Hein, 20 secondes de l'autre et 20 secondes du dernier. Le premier exercice, c'est ce bateau-là. En fait, je ne peux pas trop savoir. Je monte quand même. C'est pas ça. C'est pas forcément simple à décrire comme ça. C'est celui-ci. On est comme ça. OK? Ah oui. Voilà. Vous maintenez votre posture. Je sors la poitrine au maximum. Hein. J'évite d'être arrondi. Je sors la poitrine. Je maintiens. OK? Si vous trouvez, si ceux qui regardent en replay aussi, ou vous, si vous pouvez faire plus dur, vous pouvez tester une jambe alterne ici comme ça. Une fois que les 20 secondes sont passées, je vous donne un signal. On va venir s'allonger et maintenir notre position comme ça. OK? Et après, pour terminer, on fera celui-ci. D'accord. OK, décoller du bassin avec une option facile. Plus facile, disons, en allant chercher derrière et plus dur en essayant d'amener les jambes le plus à la verticale possible plutôt que derrière. Et ça, en fait, 20-20-20, 30 secondes de récup, on fait 5 séries. Allez. Nickel. On se met en place. On est prêt, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, déjà essayez la première série avec l'option de départ, jambes pliées, le buste bien droit. Ouais, comme il y en a, à l'aise. Tu l'as, ça va, pas tout. 4, 3, 2, 1, allez, on s'allonge. On s'allonge, voilà. Si c'est trop dur, jambes tendues, on fait jambes pliées, comme vous voulez. Il faut que ça soit difficile. Les épaules sont décollées, je regarde le plafond. Dans 10 secondes, on attaque le dernier. Ce sont les remontées de bassin. Ah oui. 3, 2, 1. Allez, go. Hein? Ouais. Hein, ça brûle un peu les abdos là. Toujours en rentrant son nombril, évidemment. Il vous reste 5, 4, 3. 2, 1, et on a fait notre première série. Comment ça va? Ok. Toi qui redoutes tes abdos, Morgane. Ok. Tu l'as fait? Bon, c'est pas mon point fort, mais du coup, c'est sympa de faire comme ça. On a 5 séries et c'est fait. Bon, ça fait quand même des sacrées séries, mais d'ailleurs, on va repartir. 5, 4, 3, 2, alors, on y va. Allez. Je rappelle l'option. On alterne. On prend une jambe. On ramène l'autre. Hop. Ça, c'est seulement si vous arrivez à garder votre dos droit et que c'est. Ouais, ça. Vous regardez dans l'écran et vous avez le dos bien droit. Ok, on y va sur le deuxième. Allez, on maintient ici.
option, plus vous pliez les jambes, plus c'est censé être facile, entre guillemets. Entre guillemets. 5, 4, 3, 2, et on passe sur les relevés de bassin. Go. Allez, allez. Allez, on tient 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Okay. Ça commence à tirer un peu plus, non? Ouais. Ouais. Là, vous en sortez trop bien sur les abdos, là. Ça va. Vous êtes assez perfectionniste. Vous n'avez pas cherché trop difficile si vous ne maîtrisez pas parfaitement. Alors, c'est bien, mais des fois, il faut chercher à aller un peu plus. Bon, en fonction de votre dos et de comment vous vous sentez. Allez, je vous laisse vous mettre en place. Moi, je vous regarde sur la série 3. Voilà. Attention. 3, 2, 1. Premier exercice. Milena est là si vous avez un trou de mémoire. Bon, j'espère que tu te souviens, Milena, que tu n'as pas trop de mémoire. Yes, super. Fiona a une difficulté supplémentaire. Elle a le chien qui vient dans son dos lui faire des surprises. 3, 2, et la suite, on s'allonge. Voilà, vous vous souvenez, Voilà. Plus vos bras vont être vers l'arrière, si vous voulez tenter, si vous amenez vos bras derrière la tête, ça va être plus difficile, c'est-à-dire tendu derrière la tête. Voilà, comme Milena. À vous de gérer ça. Et le dernier exercice, c'est les remontées de bassin, c'est maintenant. Voilà. Avec une redescente freinée. On freine, on freine, on freine, on freine. Très bien, Fiona. Oui, Morgan. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. OK. Génial. Bon. On a fait 3 séries. Oui. Allez, on s'en fait 2 de plus dans 20 secondes. Je vous laisse le temps de récupérer. Bon, après, c'est quoi? C'est la partie cardio qui dure maximum 10 minutes. Donc, ça va le faire. Ça va, ça va, ça va. Allez, quatrième série. Je retourne. 3, 2, 1. On est parti. Voilà, le plus important, c'est de sortir de cette poitrine et garder une colonne vertébrale super, super droite. Travaille la posture à fond ici. 3, 2, et on y va. Hop, on bascule. Décollez bien la poitrine aussi sur celui-là. Ça, c'est l'option plus chaude. Allez, on s'accroche. Il faut se dire qu'après ça, c'est la dernière minute. Hein. On y va sur le dernier. Go! Allez, remontez le bassin. Vous pouvez mettre les mains sous les fessiers, là, juste en dessous, quand vous redescendez. Si vous sentez que vous creusez le dos, ça va vous garder le bassin basculé bien dans l'axe. Allez, 3, 2, 1. Et on a fait notre quatrième et non plus une dernière série. Là, ça pique vraiment. Ouh. Bon, dernière série, dans 10 secondes, on se met en place, plus vite on est parti, plus vite on aura fini ses abdos. Allez. Allez, 3, 2, 1, dernière minute. Go. Allez, 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 allez. La dernière est super dure. Hein. 4, 3. Ah, ben, il est tôt. Alors, relâche un petit peu. Regardez les jambes. Si ça devient vraiment dur, vous pliez les jambes, vous mettez les mains en croix sur la poitrine ou derrière la tête pour soulager le cou, comme vous voulez. Mais il faut que votre bas du dos soit plat, proche du sol. On y va sur le dernier exercice. Go, dernière 20 secondes. Allez, 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 10 secondes. Après ça, vous récupérez et vous nous regardez faire la démo pour la dernière partie.
3, 2, 1. Et on relâche, ok. Les abdos, c'est fini. Bon. Vous les sentez un peu quand même? Non. Non, c'est... Bon, c'est nickel, là. Ça a marché. La troisième partie, qui est la partie cardio, on a trois exercices. Vous avez besoin de vos poids. Et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Tu sais ce que c'est, burpees avec un clean? Tu sais, burpees, et après, tu fais un épaulé. Tu l'as des mots? Tu le sais? Ah, je fais des démos, des exercices. Combien en poids? Combien en poids? Qui m'a posé la question? Morgane? Oui, tu as quoi déjà comme poids? Du 1, du 3, du 4. Ok, et lesquels tu as en double? Lesquels tu as en 2, en double? Mais ce que je viens de te dire. Ah, tu les as tous en double? Ouais. Ah, c'est cool, bah, ça dépend ce que tu peux faire. Si tu peux faire avec 4, tu fais avec 4, c'est largement jouable, je pense. Je montre les exercices, ok? Alors. Dans tous les cas, tu pourras changer, hein. Ok. Je vous montre de face. En fait, vous avez vos poids qui sont par terre. Là, vous allez commencer comme si vous faisiez un burpees, mais vous attrapez les poignets de vos haltères. Ici, ok. Donc, là, là. Et là, vous ne voyez pas, je suis arrivé avec mes poids ici au niveau des épaules. Ok. Donc, un burpee, je ramène et je ramène ici. Avec toujours l'option du burpee, un pied après l'autre, si vous vous sentez pas de faire avec les deux pieds. Je remonte bien là quand même. Mm-hmm. Voilà, descend un petit peu. Donc là, évidemment, 1, 2, 4. D'accord. Là, je remonte avec un dos droit. Ça, c'est le premier exercice. Je vous le montre tous et après, j'explique les répétitions. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez, sur la dernière répétition, vous serez arrivé comme ça. Vous avez des fentes à faire. Donc, que d'un côté et après que de l'autre côté. Fente avec nos poids au niveau des épaules. D'accord. À droite et à gauche. D'accord. Et le dernier exercice, ça sera un travail d'épaule en fait, en poussant les poids au-dessus de la tête. Donc celui-ci, là, hop, il vient pousser là-haut. Si ça devient dur, vous pouvez un petit peu pousser dans les jambes pour amener les poids au-dessus de la tête. Donc on retravaille un peu de haut du corps quand même, parce qu'on a fait beaucoup de bas du corps aujourd'hui. Et concrètement, vous allez avoir à faire, vous avez 5 tours à faire, 5 tours de 6 du premier, 6 répétitions burpees plus amener les poids, 8 fentes à droite après et 8 fentes à gauche et 10 fois pousser les poids au-dessus de la tête, celui-là. Ok? Donc 6, 8, 10. Sachant que les fentes, c'est 8 à droite, 8 à gauche. Et vous avez 5 tours à faire. On fait ça le plus rapidement possible. Et moi, j'ai fixé 10 minutes de défi pour finir ça. Si vous mettez un peu la gomme, ça peut le faire normalement. Ça va, Fiona? Oh, je suis déjà en malaise, rien d'y penser. Ah bah, attendez, vous avez le niveau pour faire ça. Vous avez le niveau. Donc, évidemment, prenez des poids qui maintenant, adaptez les poids parce que vous savez qu'il y a un certain volume de travail. Voilà. Si ça devient dur, prenez des poids plus légers de toute façon. Il n'y a pas de mystère. Allez, on va partir là-dessus. Je nous mets un petit chrono pour moi aussi pour avoir un repère et vous donner ça, avoir ça en musique aussi. Hein. Mais ils n'entendent pas trop, je pense. Non, on n'entend pas. Vous entendez? Vous avez entendu la musique? Non. Non, pas trop. Ouais, ils n'entendent pas. Mais c'est normal, enceinte, si tu la mets là. Et les petites vidéos qu'on vous met sur YouTube de 20 minutes, vous aimez bien ou pas? Ah oui, trop bien. C'est vrai, vous aimez bien? Ouais. Je suis très mauvaise élève, je ne l'ai pas fait encore. Je suis désolée, mais j'aurais plus d'excuses avec le confinement. Là, je pense que là, tu auras un peu plus de temps. Il n'y aura plus d'excuses maintenant. Voilà. Il y a sûrement plein de choses à faire dans la journée, mais il n'y a pas les transports. Oh. Allez, on attaque, on y va, on se met en place. Mila, tu veux le faire avec tes poids de 5 kilos? Je vais essayer avec 5 kilos, mais j'aurais bien pris 4, mais j'ai les 4 belles. Allez, ça part dans 10 secondes. On se souvient du premier exercice. Allez, go, c'est parti, on y va. Allez, vous suivez. Vous avez la pied derrière, ça a déjà commencé, là, il y a la pause.
3. Yes. 4. 5. Il y en a 6. Et 6. Ok, on garde les poids là-haut. Une fois qu'on a fait ça au sixième, on a 8 fentes à droite et 8 fentes à gauche. Ouais, avec les poids ici là-haut, les poids sont sur les épaules. Exactement. Voilà. Chacun à son rythme. Et l'autre côté, Milena. Et si vous arrivez à venir toucher le sol avec votre genou arrière, ah, c'est super. Allez, filles, allez, allez, c'est la dernière partie de la séance. Et après ça, quand vous avez fait, c'est les poids au-dessus de la tête ici, le shoulder to overhead, comme on l'appelle. Vous amenez ça des épaules à au-dessus de la tête. On peut utiliser les jambes comme le fait Milena sur une petite impulsion, une petite flexion et boum, extension rapide. Ouais, facile Fiona. Yes. Ok, là il y a un tour de validé. Un tour de validé, vous avez mis 1 minute 25. Donc, on peut présumer que ça passe dans les 10 minutes pour faire 5 tours. Allez, allez. Allez. Ouais, je vais être en retard. Et j'ai bien touché. Allez, puis allez, allez, c'est le temps après les parties. Ça fait déjà 10 minutes qu'il faut tenir. Hein. Ouais, si vous le faites en 8 minutes, vous arrêtez. C'est assez rapide normalement. On refait les fentes, hein, je vous en ai mis au début et on en refait après. Ouais, c'est sympa ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez. Est-ce que c'est normal que Martin ait 2 kilos? Il a pris 5, écoute. 7. Ok. 8. Là, vous êtes à 2 minutes 45, 2 minutes 45. Et Fiona a attaqué son troisième tour. Elle carbure, Fiona. Elle carbure. Je pense qu'elle va passer à Décathlon pour prendre des poids plus lourds. Ouais. Allez, Morgane. T'es avec les quoi, les 4? Hein? T'as pris les poids de 4 kilos? Yes. Ok. J'ai les 5 à côté. Je vais faire un tour avec un sec. Ouais, t'essaieras. C'est ce qu'elle est en train de faire, Milena. Elle peut te... Je pense que là, elle est en train de comprendre, non? Les poids de 5 kilos, ça va? Et on a commandé 10 kilos qui doivent arriver normalement. Alors là, tu ne racontes pas. Allez, Fiona. Les coudes en avant. La respiration, là on est sur une haute intensité, c'est des exercices qui sont hyper exigeants, qui mobilisent tout le corps à chaque fois. Donc vous devez sentir la fréquence cardiaque qui augmente à fond. Respirez sur les mouvements. Sur les fentes, vous soufflez quand vous poussez. Et pareil sur l'exercice après avec les haltères. Vous poussez dans les bras, vous soufflez. Et on inspire sur l'autre face, bien sûr. Allez, allez, allez. Puis on a quatrième tour et on est à 4 minutes 15. C'est en train de battre du record. Allez, on donnera les temps. Il faudra qu'on mette un petit challenge comme ça. Ouais. Allez, 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 allez. Allez, Morgane. Génial. Quand on se redresse, le dos droit, les fessiers bien vers l'arrière. Poitrine devant, hein. Un dos hyper droit. Vous êtes à 5 minutes. On n'a pas fait la moitié. Oui. Si vous êtes à votre dernier tour, comme par exemple là, vous allez arriver,
Ouais, il reste un tour normalement pour quand vous avez fini cet exercice pour les épaules. Allez, le dernier tour, on le fait tous ensemble. On y va. C'est parti. Allez. Allez. Allez, dites-nous bien quand vous avez terminé. Ouh. Allez, fille. Ok. Alors, on est où? Ah, c'est vrai. Ne oublie pas le dernier exercice. C'est le pire, cela, pour les épaules. Ok. Allez, finissez. Fini, Morgane. 6 minutes 30, 6 minutes 34, Fiona. Génial. Bon, malheureusement, ceux qui regarderont la vidéo en replay n'auront pas eu le point de comparaison. Ils sauront à la fin s'ils ont fait mieux que vous ou pas. J'espère que ça aura battu les records encore. Bon, génial. Comment ça va? Deuxième séance de sport, ça va. Tu l'as fait hier. Tu l'as fait hier, toi. J'ai fait hier le sport avec les judo, plus la séance qui était sur YouTube, que vous avez postée, et plus celle-là. Et tu l'as fait hier soir, la séance de YouTube? Non, aujourd'hui. Non, il y a une heure. Il y a une heure et demie de ça. Ah oui. Oula. Ah oui, oui. Tu aurais pu te la réserver pour ce week-end. Bon, moi, voilà, mais je me la referai certainement ce week-end. Ok. We were lovers for the first time. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, buy my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. On a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I'd do it all.